Et salut les amis! Bon, aujourd'hui, petite matinée pêche au cou et peut-être carnassier. Alors aujourd'hui, je suis dans le secteur toujours dans le secteur d'Avignon et je suis en Courtine, dans le contre-canal du Rhône. Voilà, juste à côté du plein d'eau. Voilà. Du coup, il y a l'air d'avoir pas mal de mouvements là, au niveau de la surface de l'eau, là. Du coup, ça veut dire que déjà, il va y avoir des petits, je pense. On va essayer de faire venir un peu les carassins et les grosses brèmes. Peut-être des tanges, ici il y a un peu de tout là. Il y a un peu de tout. Du coup aujourd'hui j'ai fait une nouvelle amorce. Enfin, j'ai rien fait du tout, hein, je l'ai acheté, mais j'ai fait un petit mix. Alors c'est le petit mix de Booster là, étang rivière, c'est le classique. Dedans j'ai mis une touche de vanille et une touche de biscuit là. Voilà, c'est des produits Caperlan. Voilà. Du coup, mon amorce est en train de gonfler. Là, je vais prendre le fond. J'ai sorti mon ponton aujourd'hui. J'ai sorti mon ponton. Et là, il a bien pris de l'eau parce que j'ai arraché un peu les algues là pour pas être embêté là si j'ai un gros poisson. Et voilà, il est pas mal, il est pas mal. Mais je l'ai mis là parce que c'est un peu vaseux là. Et voilà. Du coup, voilà, c'est un coin sympa à l'abri parce qu'aujourd'hui il y a un peu du vent là. Du coup, on va voir ce que ça donne. Allez, à de suite, les amis. C'est parti. Allez, c'est parti, les amis. Vous voyez là. Le premier poisson, les amis, un muge, un petit muge. Non, un muge ou un non-tu. C'est parti, les amis. Enfin, voilà le poisson. Oulala. Je crois qu'il est pas mal. Oulala. Carassin, une petite carpe, carpon. Sortir, hein. Les gaillards. Hop là, allez, dernier rush. Et voilà les amis. Bon voilà les amis, il y a le vent qui s'est levé un peu plus fort que tout à l'heure là. Et c'est pas terrible. J'ai fait une petite carpe là que je vais remettre à l'eau. Et j'ai fait un gardon et un petit otu.
Voilà. Du coup, je change de spot, je vais un peu voir s'il y a un coin un peu plus à l'abri où il n'y a pas de, où il y a personne, parce que ce matin j'ai fait un peu le tour, là il y avait quelques coins qui étaient occupés. Je vais voir là, je vais refaire un passage et je vais essayer de trouver un coin un peu plus tranquille et surtout un peu plus poissonneux. Voilà. Allez go, je remets la carpe à l'eau et on change de. Allez go, c'est parti. Allez, Guine. Voilà. À la prochaine. Allez, go. Bon, voilà, les amis, on a changé de. J'ai changé de spot. J'ai changé de spot. Alors là, je suis revenu là où j'étais l'autre jour, c'est-à-dire sur l'île de la Barthelasse, en face à Avignon. Et le coin qu'on appelle le parc des Libertés, là, ça fait comme un petit plan d'eau, une grande lorne. Voilà. Ici, on est relativement bien à l'abri. Et voilà. Bon, j'ai plus qu'à préparer mes boules et c'est parti. Allez, go! Bon, c'est parti, les amis. On va voir ce que ça donne ici. Et voilà, hein. De toute façon, quand on est entré, il me restait de la morse. Et voilà. Allez, go! Qu'est-ce que c'est? Aïe 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 aïe. Encore beaucoup comme ça là-bas. Là. Oh putain, c'est casse-couille ça. Oh putain. Moi, pas étonné. Hop, départ les amis, départ sur Sandro, sur je sais pas quoi, départ, voilà, il s'est arrêté, il a relâché, merde. Voilà, un joli pour la fin, j'espère qu'il va sortir parce que ça a l'air d'être un gaillard, on va le faire monter un peu pour y prendre la température, apparemment il veut pas, il est en train de me sortir tout mon élastique, il est énervé. Ça va être dur les amis. Allez, c'est pas que ça va être dur, ça va être long. Il a l'air remonté celui-là. Pas remonté, c'est quoi? Ah, c'est une grosse brème encore attrapée sur le côté. Pas rigolo sinon.
Décrochez les amis. Elle était pas, elle était accrochée sur le bord de la nageoire. Bon allez, encore 5 minutes et après il y en a assez. Après il faut se rentrer les amis. Bon voilà les amis, la petite partie de pêche est terminée. Alors au niveau pêche au cou, un très bon spot là. J'ai l'impression que les gros poissons ils commencent à être actifs. J'ai fait une brème là, elle avait encore un peu des points là de la période de frais là, mais tous les autres ils étaient nickel. J'ai cassé deux ou trois fois, j'ai décroché deux ou trois fois, j'ai sorti quatre ou cinq gros poissons. Je vais vous les faire voir là quand je les remets à l'eau. Et au niveau du carnassier, j'ai eu un départ, mais il m'a arraché le vif et il s'est barré. Alors ou c'était petit, ou c'était malin, ou j'en sais rien, j'ai rien vu. J'ai juste vu que là, ça a fait un départ. Et j'ai récupéré la canne, il n'y avait plus rien au bout. Voilà. Bon, du coup, bilan de cette partie de pêche. J'ai eu un gros problème. J'étais en train de changer ma batterie et ma caméra avait la batterie, ils sont tombés dans l'eau. Du coup, il a fallu j'attende au moins une heure et demie avec qu'elle sèche. Et j'ai eu du cul, elle remarche puisque je suis en train de vous filmer. Hein. C'est pour cela que toutes les prises des gros, à part ce matin le carassin, mais ailleurs, toutes celles-là, je les ai pas en vidéo. Voilà, je crois que j'ai juste une où je casse et pas plus quoi, pas plus. Du coup voilà, je vais faire la remise à l'eau et on se dit à la prochaine. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao ciao les amis, et encore merci, merci, merci. Allez, ciao ciao. Bon, c'est parti, on va faire ressortir les. On va relâcher les poissons, on va relâcher les poissons. Oh putain. Ouais, du coup, il y a trois belles brèmes et une magnifique taille. Voilà, voilà. La taille est splendide, la taille est splendide. Je vais faire une photo et après on les relâche. Allez, c'est parti pour la remise à l'eau. Ils se sont bien bagarrés. Ils se sont bien bagarrés. Surtout la taille, c'est super, c'est un poisson qui se bat fort fort. Regardez pas ce poisson les amis. Pas beau ça? Allez. Aïe aïe aïe. Voilà. Allez. Ah, ça demande pas son reste. Belle brème. Voilà. Une autre. Wow. Voilà. Et la dernière. Voilà. Et les petites perches soleil, hein, comme d'habitude. Remise à l'eau quand même, même si c'est pas un super poisson, mais voilà. Bon, elles m'ont donné du plaisir et je vois pas pourquoi je les tuerais pour rien. Il y en a toujours quelques-unes qui s'en remettent pas, mais voilà.